Vous connaissez tous le gazon, c'est simple, c'est un mélange de graminées. Alors quand on le sème au départ, il est bien beau, bien vert, et progressivement, il y a des petites herbes qui viennent s'infiltrer. Oh, des herbes ou alors de la mousse. La mousse arrive lorsqu'on piétine trop souvent un sol qui devient très compact. La mousse arrive lorsque on a un terrain très humide est très à l'ombre, et puis si on tombe court, alors là, ça renforce encore la mousse. Qu'allez-vous en faire? Eh bien, la laisser ou alors la retirer. Il y a d'autres petites plantes au printemps qui arrivent. On va faire le tour de ces fleurs. D'abord, la pâquerette. Elle arrive à Pâques, d'où son nom, pâquerette. C'est une plantivasse toute petite qui va se développer sur le gazon. C'est pas moche. Sachez qu'elle est comestible en plus. On a également le pissenlit que vous connaissez bien. Le pissenlit est une plante mellifère. Il attire les abeilles, en tout cas, ses fleurs. Vous savez qu'on peut manger les feuilles au tout début du printemps, et puis on fait un très bon vin de pissenlit. Alors si vous en voulez pas, là, il faut aller en profondeur pour l'arracher parce que les racines sont très grandes. Deux petites plantes aussi qu'on trouve dans les coins ombragés, c'est d'abord la véronique à feuilles de lierre qui fait des fleurs toutes petites, toutes bleues, qui est très jolie. Évidemment, on ne la voit qu'au printemps. Et puis l'anémone des bois, là, au pied des grands arbres, qui fait de très jolies petites fleurs blanches. Si vous regardez de très très près dans ce gazon, vous verrez des draves. La drave est une toute petite plante avec des fleurs blanches, avec des feuilles minuscules qui sont comestibles. Mais là, pour vous faire une salade, il en faudra beaucoup. Et puis, dans ce gazon, quitte à avoir plein de plantes, eh bien, vous pouvez rajouter des jonquilles. Qu'est-ce que c'est beau, les jonquilles dans le gazon! Bon, vous voyez, finalement, si on laisse faire le gazon, il y a du monde, il n'y a pas que des graminées, il y a tout un tas de petites plantes. Essayez de bien observer. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.